Bonjour, du jardin du lâcher-prise. Nous sommes dimanche et je suis à table en train de manger des carottes, entre autres. En fait, je vous fais cette vidéo-là parce que je suis obligé d'admettre que même si actuellement je suis relativement peu au jardin. J'étais à Paris, je suis rentré à Rouen hier, et puis j'ai dit il faut absolument que je passe au jardin voir soleil pour savoir comment il va. Et puis je sais que je vais repartir, enfin je pars pour une formation lundi, mardi au Luxembourg. Pour revenir mercredi à Paris, vous devez quand même vous demander pourquoi je fais cette vidéo. Mais en fait, alors je vais arriver au but de cette histoire. Il y a quelques jours, j'étais mal. Enfin, j'étais mal. J'étais moyennement bien, on va dire. J'ai fait ces fameux exercices qui m'ont permis de réveiller quelque chose en moi. Bon, d'abord, c'est vrai, j'ai coupé les cheveux, j'ai fait tout ça. Hier, j'ai fait des courses pour Noël avec une amie en ville. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis senti dans un esprit de fête. Et puis là, il va se passer encore cette semaine qui arrive. Puis ensuite, je vais partir au sport d'hiver avec toute la famille, comme chaque année, plus ou moins. Alors parfois, l'année dernière, c'était en février, mais bon. Et puis, je suis arrivé au jardin en me disant, bon, allez, tu dis bonjour à... C'est la moutarde. Tu dis bonjour à soleil, et puis tu repars tout de suite, tu iras manger ailleurs. En fait, il n'en est rien, quoi. Je suis arrivé ici. Je suis rentré par la porte du jardin, j'ai senti cette énergie me prendre dans les tripes là, disant mais tu peux pas ne pas rester là pour déjeuner, t'en engranger de l'énergie, cette énergie spécifique au jardin pour pouvoir ensuite repartir et puis bah lâcher. Alors c'est vraiment magnifique, c'est vraiment quelque chose de fort. Voilà, alors je vous montre le jardin, parce que le jardin, bien sûr, est en plein sommeil actuellement. Voilà. Et à la différence de d'habitude, vous entendez... Bah oui, ce que vous entendez, c'est le silence total, parce qu'en fait, les oiseaux dorment, tout dort. Il n'y a plus du tout de bruit, il n'y a plus du tout de chant d'oiseaux, il n'y a plus rien. C'est complètement mort. Et donc, du coup, ben, ça change complètement l'atmosphère du jardin. Et j'aime cette atmosphère. Et en même temps, je dois repartir. Et c'est ça la vie. Là où je veux en venir, c'est que c'est ça la vie. Le travail est de lâcher prise sur qu'est-ce qui vous encombre, qu'est-ce qui m'encombre, comment je peux soigner ce qui m'encombre, et puis en même temps laisser les choses se faire, savoir que le but, l'objectif, c'est effectivement de faire vivre ce jardin en vous faisant la proposition de venir me voir, venir me rencontrer, venir voir comment je fais pour me soigner de façon quotidienne, minute après minute dans certains cas, et vous donner cet élan qui vous permettra par la suite, bah, vous-même, d'utiliser les mêmes, peut-être les mêmes méthodes qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Mais en tout cas, là, voilà, je suis rentré, c'était juste... Je ne pensais pas rester manger ici. Bon, évidemment, je suis très couvert, je suis dans le jardin, je suis en train de manger dehors. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde qui mange dehors aujourd'hui. Il y a du brouillard partout. Et lui, le jardin est clair. Voilà. Et en fait, moi, je suis clair intérieurement aussi. Je me sens vraiment heureux.
Les moments durs, les moments de passage ou qui sont un peu difficiles, eh bien, permettent aussi de faire un travail sur soi qui va aller en profondeur et qui va nous permettre de laisser les choses se faire. Voilà. Et de laisser vraiment la vie prendre soin de nous. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour aujourd'hui. On y reviendra probablement dans les jours et les semaines à venir. Voilà. Comment je fais? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment je gère ces situations? Et comment éventuellement ces exercices peuvent vous permettre à vous, vous-même, de ne pas vous rester accroché dans du négatif. Voilà. Salut. Voilà notre ami le chat qui passe énormément de temps tout seul en ce moment, malheureusement. Je suis bien triste pour lui. Je lui dis bonjour, salut, bonjour, c'est moi. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin d'année. Et puis, soyez heureux. Et puis la vie est belle. Voilà, au revoir.